Bonjour, c'est Sébastien. Donc, je suis dans le Yukon pour préparer la Yukon Quest avec mes petits chiens, donc mes 16 petits chiens. Et aujourd'hui, donc, on va parler de tout ce qu'on va faire au quotidien avec les chiens, avec le soin des chiens, avec la nourriture, avec les entraînements. Oui, c'est une journée qui commence tôt, tous les matins debout à 6h du matin, et c'est à partir de 7h où là je vais prendre soin des chiens. Puis c'est bien de commencer très très tôt, surtout lorsqu'il a fait très très froid, donc durant la nuit. La soupe du matin, c'est vraiment le premier repas de la journée pour les chiens. Là, ils attendent ça avec impatience. Je mets des croquettes pour qu'ils aient en même temps des vitamines, des minéraux. Ils ont des croquettes. Ils ont un jour de la viande de bœuf, un jour de la viande de poulet. Et puis aussi, ils ont des snacks. Donc, pendant l'entraînement, ils ont des snacks de saumon. La journée est vraiment bien remplie puisque donc on doit nettoyer leur crotte, bien sûr, donc tout nettoyer, regarder en même temps, c'est bien parce qu'on peut en profiter pour voir si les chiens y vont bien, les flatter, leur faire des petites caresses pour voir si soit ils ont maigri, soit ils ont grossi, donc voir un petit peu tout savoir, profiter pour voir aussi leur coussinet lorsqu'il fait très très froid. Donc là on leur met aussi de la paille, même si les niches sont isolées, mais on leur met de la paille en plus. Donc ça c'est rigolo de voir ça parce que les chiens ils rentrent, ils foncent vraiment dans leur maison, dans leur petite maison en bois. J'attends un petit peu qu'ils digèrent et puis ensuite je prépare les chiens pour leur entraînement. Donc ils font faire un entraînement, là ils sont à 45 km. Et puis ensuite je reviens, je leur donne une petite soupe pour les réhydrater. Et ils se reposent et puis c'est reparti, je leur redonne à manger et puis on repart sur un nouvel entraînement. Voilà.